aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'autres objets que j'aime beaucoup dans ce musée. Et voilà, un pichet à bière et une assiette décorative. Vous demandez peut-être pourquoi il y a un pichet de bière et une assiette décorative dans un musée des Alliés. Il y a une raison plutôt sérieuse. Tout ça fait partie, ou est à voir dans le contexte, des missions militaires étrangères. Ces missions militaires étrangères étaient situées à Potsdam, mais les membres de ces missions circulaient partout en RDA. Et ils avaient plusieurs rôles à jouer. Un rôle était la diplomatie, l'autre rôle était le regroupement des informations militaires et bien sûr aussi un peu l'espionnage, même si bien sûr pas un rôle officiel. C'était un grand honneur d'être membre d'un de ces missions militaires étrangères et c'est pour ça qu'il y avait des souvenirs qui ont été faits pour commémorer le rôle de ces missions militaires. Et voilà ce pichet de bière, vous voyez les drapeaux des quatre alliés, donc des Américains, des Britanniques, des Français et de l'Union soviétique. Ils sont tous unis, ils sont tous ensemble comme s'ils seraient des amis, ce qu'ils n'étaient pas pendant la guerre froide bien sûr. Et cette assiette décorative, vous voyez ici, British Commanders in Chief Mission to the Soviet Forces in Germany. Donc c'était une mission militaire britannique. Et aussi les deux drapeaux britanniques et de l'Union soviétique qui sont des meilleurs amis presque. Et il n'y a pas longtemps, j'avais quelqu'un dans le musée qui était un soldat de l'armée britannique et qui m'a raconté que sa mère a toujours une assiette décorative exactement comme celle-là dans sa cuisine. Donc c'était vraiment presque normal de commémorer le travail de ces missions militaires.